fait écouter les formes d'ondes, ça vous connaissez. Ok, donc c'est quand même très basique. Filtre classique. Ici, on a un gros bouton, ici. Alors, je recommence. Ici, vous avez un gros bouton qui est... Alors, j'ai pas les lunettes, mais magnifique. Signal modifieur. Et en fait, c'est un keyboard volume balance. Parce qu'avec là, on est mal barré. En fait, en position médiane, ça veut dire que l'ouverture du filtre va se faire de manière égale entre les graves et les aigus. D'accord ? Et sinon, on peut, si on bascule complètement à gauche, ça veut dire qu'on va faire sortir plus les graves que les aigus. Et à l'inverse. D'accord ? Et ça, c'est super, super intéressant parce que quand on fait des textures complexes entre les modules, on peut se dire, ouais, dans ce son-là, j'aimerais que les graves y ronflent plus, et dans celui-là, je vais ciseler sur les aigus. Donc, on va agir sur ça. Et c'est fait en une seconde. C'est-à-dire que dire, oh, il manque de graves dans son. Allez hop, tac, c'est fait. Pas bon. Voilà. Alors, maintenant on va parler du résonateur. S'il te plaît. On aurait dû prendre un pied de micro. Donc, résonateur. Complètement différente du filtre normal. Alors évidemment, ils sont interdépendants. Et après, intervient une modulation. Qu'avec un seul module, là finalement ça va pas mal quand même. Ça commence un peu à gratter les oreilles, on a quand même quelque chose sous la main. Et là j'utilise qu'un seul module. Alors j'espère qu'ils sont restés accordés. Très puissant, c'est beaucoup plus puissant qu'on peut croire.